joue au baseball, on joue au golf, on joue une couple de fois par jour presque. Pour moi, c'était tous mes étés ont été dévoués à jouer au golf et ma progression s'est faite graduellement. J'ai commencé, moi, à jouer au golf. Mes parents jouaient au golf. Ils n'étaient pas très bons, mais jouaient au golf. Mais comme cadet, je cadais toujours pour le même monsieur, Raymond Boissonneau, qui était à ce moment-là un 3-4 d'handicap. Puis souvent, quand je cadais le samedi matin, on allait jouer un 9 trous en après-midi. Puis il me donnait quelques conseils, mais c'était le fun de jouer avec quelqu'un qui était pas mal, qui était un bon joueur à ce moment-là. Pour moi, le golf a été une inspiration, une éthique de travail. Ça m'a amené une certaine éthique de travail, puis une façon pour moi de me motiver pour me dépasser un petit peu. Moi, je me considère chanceux parce que la business du golf m'a amené, quand je jouais à temps plein, à jouer avec beaucoup de personnes, à développer beaucoup de relations avec des gens d'affaires et tout ça, et j'ai eu l'occasion de travailler et d'écrire des articles de golf et même produire deux DVD d'enseignement. Je pense que c'est important d'essayer un peu de redonner aux jeunes de mon expérience. Mais en même temps, l'expérience, ça s'acquiert au fil des ans, au fil des expériences, justement. Ce qu'on peut donner vraiment aux jeunes, c'est de dire, ben moi, j'ai passé à travers un certain stage où j'ai joué à temps plein. Qu'est-ce que j'en ai retiré? Puis qu'est-ce que j'aurais fait probablement différent? Puis quand on regarde les jeunes joueurs, les joueuses à la télévision, on voit qu'ils sont vraiment dans leur élément. Puis je pense que nos jeunes d'ici devraient apprendre de ça également. Mes plus beaux moments de golf, j'en ai plusieurs, mais... Je dirais n'importe quelle victoire où mes enfants étaient présents, pour moi c'était spécial, ou quelques victoires où mon fils m'a cadé. Donc c'est des moments qui sont pour moi qui seront gravés dans ma mémoire à jamais.